Et l'honneur de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Et le thème d'aujourd'hui nous dit Bateau et qu'elle a bien me titré. Restez-le encore car je suis ressuscité. Voici le thème d'aujourd'hui. Toi, on te dit, restez-le encore car je suis ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous aviez tué certaines choses avant. Ça n'a rien donné comme résultat. Vous voyez maintenant. Et l'éternel Jésus dit, lui, il s'est déjà ressuscité. Il s'est ressuscité avec l'onction. Avec beaucoup de dons. Alors tout ce que vous aviez fait avant et rien n'est sorti dedans. Allez le rester car je suis ressuscité. Oh, alléluia. Amen. Allez le rester dans les lieux car je suis ressuscité. Car avant, c'est comme si je dormais. Mais du moment où je me suis ressuscité, je suis ressuscité avec l'onction. Chrétien, écoute. Comment Jésus s'est ressuscité dans la tombe? On dit qu'il a commencé son œuvre plus qu'avant. Il était encore beau plus qu'avant. La vaisselle qu'il portait était plus blanc comme de la neige. Ce que vous aviez fait, oubliez-les. L'Éternel dit qu'il fera de nouvelles choses. Il fera de nouvelles choses. Et ça s'avance déjà. Ça, tu ne le connais pas. Un chemin dans le désert. Et une fleur dans la solitude. Alors, qu'est-ce que le thème dit? Restez-le encore car je suis ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité avec des biens. C'est ressuscité avec la santé. Il dit, restez-le encore car je suis ressuscité. Vous étiez en certains lieux et vous n'étiez pas satisfait là-bas, mais du moment où Jésus s'est ressuscité, il vous recommande de rester encore et vous allez voir le résultat. Vous allez chercher certaines choses en vain, mais lorsque vous irez de nouveau, vous allez retrouver ce que vous cherchez. Vous allez frapper certaines portes en ne voulant pas ouvert, mais en ce moment, allez dire encore, vous allez voir que ça va s'ouvrir. Alors qu'est-ce que ça apporte? La puissance de la résurrection va te l'apporter. Là vous avez été, on vous a rejeté. Lorsque vous irez de nouveau, on va vous accueillir. Bien aimé dans le Seigneur. On peut te fermer toute porte. On ne peut jamais te fermer les cieux. Chrétien, écoute. On ne peut jamais te fermer les cieux. Alors si le ciel s'ouvre, il y a toute chose au magasin du ciel. Tu vas le retrouver. Il dit, restez-le encore. Chrétien. Au moment où Jésus est ressuscité. Puisque tu as déjà fait cette main de pas. Alors je t'envoie dans ton service. Je t'envoie dans ta boutique. Je t'envoie dans ta maison. Je t'envoie dans ton village. Tu verras un bon résultat. Laissez-le encore. Tu auras la résultante. Laissez-le encore. Tu vas témoigner. Laissez-le encore. Masakata Kabralebushikata. Alléluia. Amen. Amen. Je dis, restez-le encore. Car je suis ressuscité. Alléluia. Amen. Nous sommes. Tu as reçu une nouvelle puissance la semaine passée. Bien. Vous savez, nous sommes. La puissance qui a ressuscité. Amisicié. Et c'est une onction. Amisicié, elle dit. C'est une onction qui est sur lui. Amisicié, elle pourrait ressusciter. C'est une onction qui l'a ressuscité. Bien aimé. Homme ou pas, mes amis. Homme ou un de Dieu. Écoute. Mais amisicié. C'est le seul qui l'a ressuscité. Mais moi, où est de Dieu? L'Esprit de Dieu sur moi. Là où vous aviez été, rien ne s'est passé. Et là où vous aviez été, rien n'a changé. Et vous avez encore d'aller. Vous étiez au marché, mais vous n'aviez pas vendu. Aujourd'hui même, l'Éternel te dit, va encore. Allez encore. Mais on l'a encore.
choses. Mi bonambe, amen. Mia chona mi Bible. Prenons nos Bibles. Nemia remonya le Luc avant parler et attend pour qu'il passerait Andrelia. Lisons dans Luc 5 verset 1 à 7. Tanya benukama. Qu'est-ce que le thème nous dit? Bato weke. Restez encore. Ela bena. Car. Enye Jésus Christ. Moi Jésus Christ. Ma obat bela Bibia. Le Fils du Dieu vivant. Eh, mes titres. Je suis ressuscité. Et titre que nous n'ont qu'à. Il s'est ressuscité avec tous les biens. Et au titre pas missicia. Il est ressuscité avec l'onction. Missicia là attire nous mieux. L'onction qui va attirer des biens. La donne nous mieux va. Qui va t'attirer des biens. Il s'est ressuscité avec cette onction pour toi. Alors que tout ce que tu vas encore commencer en ce moment-là, ça va prospérer pour toi. Lisons la parole de Dieu. Bienvenue le Luc avec Malakta, ma tante, qui pique bien toi, à Mandrin. Bien, c'est mon peignard, le bé. Et y a au bas 20 mai. Et si, à Mehala Mimido, Bewa se maunya, la bena, y a nous tant le titre de Genezaret Talanou. Aye wopo vuve eve le talanu ke doklola dogocho me aye ole opo do palam aye esi ogede vudeka sinye simon tomela. Alléluia. Amen. Aye esi ogede vudeka sinye simon tomela. Et du moment il rentra dans l'une des barques qui était pour Simon, il a vu deux barques au bord du lac. Alléluia. Amen. Alors comprends que l'Éternel a voulu prêter cette barque afin de prêcher la parole de Dieu. Alors, pour livrer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Il est rentré dans l'une des barques qui appartenait à Simon. La seule chose que j'aimerais dire, pourquoi est-ce qu'il y avait deux barques au bord du lac? Et il est rentré dans celle de Simon. J'aimerais te dire, Jésus va mettre pied dans ta barque. C'est moi qui te dis. Il est temps que Jésus mette pied dans ta barque. Si Jésus met pied dans ta barque, ta barque va marcher. Je te rassure. Alors on mettra pied dans ta barque. Tu vois maintenant. Voici le sujet de témoignage dont nous parlons. Toi, tu n'as jamais rendu un grand témoignage. Mais il est temps que Jésus mette pied dans ta barque. Jésus a mis pied dans la pâte. Maintenant, les choses se passent. Écoute, toi, Jésus mettra pied dans ta barque. Jésus mettra pied dans ta barque. Toi aussi. Ta barque. Aujourd'hui même, Jésus mettra pied dedans. Il va décrire pour quelqu'un ou bien malheureux. Je dis, il va dire que si quelqu'un viendra mettre pied dans ta porte et tu sauras. Si une nouvelle action a commencé par travailler, amen. Amen. Tu sauras que la puissance de la résurrection a commencé son œuvre. Tout le monde, Jésus est ressuscité. Alors l'œuvre a recommencé. Les miracles commençaient pas encore se produire. Écoutez, sois chrétien. Jésus Christ. Et puisque c'est un programme qui a été fait. Qui va mourir, va se ressusciter. C'est pour cela qu'il s'était tué, on lui a fait tout. On l'a battu. Jusqu'à ce qu'on le crucifie. Car c'est un programme. Cela est déjà écrit. Tout est accompli. Et c'est pour cela que Jésus a dit, oh nous à nous. Mais je te rassure. Et du moins Jésus s'est ressuscité. Alors si en ce moment quelqu'un va encore vouloir le faire, que cela personne va disparaître sur le champ. Si Jésus envoie sa main vers la personne, la personne va mourir sur le champ. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Je te rassure. Moi, Victoria Zanoukou. Je te dis. Et qui peut mettre un pied dans ta barque? La puissance de la résurrection. Elle te donnera la victoire. Jésus est ressuscité. C'est ressuscité avec le champ. C'est ressuscité avec le miracle. C'est ressuscité avec la bonté. C'est ressuscité avec sa miséricorde. C'est ressuscité avec son grand amour. Continue.
Il était dans la banque et il a enseigné. Il était dans la banque, il a prêché la parole de Dieu. Il était dans la banque, il a tracé des chemins aux gens. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Simon a permis qu'on soit dans sa barque afin qu'on prêche la parole de Dieu. Est-ce que toi, si tu permets, afin que tu donnes une place pour qu'on œuvre pour l'éternel, tu as des choses. Est-ce que tu as permis? J'aimerais te dire, si tu as des choses, et tu as permis cela, on a travaillé pour Dieu. Tu verras encore d'autres. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de Simon. On était dans sa barque afin de prêcher la parole. On était dans sa barque pour prêcher la parole de Dieu. On était dans sa barque et on a fait l'enseignement. Après que Jésus s'est tué, Simon ben, c'est maintenant que la chose va se passer. Après qu'il cesse de parler, après qu'il cesse d'enseigner, alors celui-là qui lui a prêté la bague, il a enseigné de temps, il va faire meilleur dans sa vie. Celui-là qui lui a donné la bague, il était dedans, il a enseigné, il fera meilleur dans sa vie. Alors je suis sûr que Jésus s'est dit en lui qu'il ne sera pas vainement dans cette bague. Je vais me le révéler. Alors tu crois les peuples que j'ai enseignés, nous sommes pour qu'ils sachent que Jésus est le Dieu du de Dieu Tout-Puissant. Il a voulu produire des mystères. Bien aimé. Le mystère va se produire. Et nous Juste c'est le fait que le mystère se produise dans ta vie. C'est une œuvre mystérieuse qui s'est passée ce jour. Ça se passera dans ton ciel. Et après qu'il cesse de parler, il a dit à Simon, avancez en plein eau. Mais Simon dont on parlait, et il était un pêcheur. Il était un pêcheur. C'est ce qu'il faisait avant de trouver son père quotidien. Bien aimé. Alors le métier que tu as pris, c'est ce que tu dois faire. C'est ce qu'on sait qu'on fait. Alors c'est dans ça qu'il provient des biens. Jésus sait très bien qu'il était un pêcheur. Mais ce jour, du moment où Simon était au bord du lac, il a lancé le filet en vain. Toute la nuit, il n'a rien trouvé. Avant que Jésus n'entre dans la barque, il a vu qu'ils avaient fini, ils avaient leur filet et ils voulaient rentrer à la maison. Alors Simon était énervé parce qu'il était venu au bord du lac, il a lancé le filet en bain, il n'a rien trouvé. Alléluia. Amen. Bien aimé. Si tu n'as pas oublié, si tu n'as pas marché, et tu n'as pas retrouvé de client, ne dis pas qu'il n'y a pas eu de client, alors je vais rapidement ramasser mes bagages et partir. Reste là-bas. Alors si la nuit n'est pas encore tombée, attends Jésus. On va t'envoyer quelqu'un. Même s'il reste une seconde, même s'il reste une seconde, et tu vas fermer ta boutique. Je te rassure, s'il reste une seconde et tu as fini, tu veux partir du marché, alors Jésus va te l'envoyer. L'ancien va te l'apporter. Christ au temps, chrétien, il est temps que tu goûtes l'onction. L'onction qui attire des biens. Alors qui attire des clients. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et après qu'il cesse de parler, il dit allons en plein eau. Et lancez vos filets. Et vous voyez ce que Jésus a dit. Alléluia. Amen.
Bien-aimés, il y a certains hommes de Dieu, lorsqu'ils te parlent, il faut marcher selon leur parole. Je ne parle pas des faux. Je ne parle pas des voleurs. Je ne parle pas des faux prophètes. Les vrais hommes de Dieu, lorsqu'ils te parlent, marche selon leur parole. Tu verras ses fruits. Allons à pleine eau. Alors jetez vos filets. Voilà ce que Simon a dit. Nem ya de la. Eh ya Simon. Obe mi di mi abado ne mi adela. Mi pa ya yoba. Où est-ce qu'on a dit jeter vos filets pour pêcher? Ami sisi. L'onction. Eh ben nem ya de la. Et pourquoi vous pêchez? Ya ton la yo ya do do mevo. Alors lui il a déjà remarqué les poissons qui vont rentrer dans le filet. Et papi, en là sont bon mevo. Alors il a déjà localisé là où les poissons étaient nombreux. Bon bon mais. Et il est quelqu'un qui est sûr. Et ton la mevo. Il a déjà vu les poissons. Eh ben mi so itopo. Il dit allons en pleine eau. Mi di mi abado la fille. Jetez vos filets ici. Et nem ya de la. Et vous allez pêcher de la poisson. Il sait très bien qu'il peut dire que la poisson n'a qu'à rentrer dans le filet. Aïe Simon, regardez ce que Simon a dit. Nous avions travaillé toute la nuit. Sans rien prendre. Nous n'avons rien vu. C'est ce que l'État m'a dit. Restez-le encore. Là, je suis ressuscité. C'est toi qui vas dans le bonheur. C'est toi qui vas dans le marché. C'est toi qui te trouves encore dans la maladie. Tu dis rien ne peut changer. Que l'État me dit. Tu vas rester là encore. Ouvrir la boutique. Dans le boulot. Si tu touches avec ton mari ou ta femme, l'enfant peut venir. Frère encore. Bien aimé. Quelqu'un m'écoute. Secoue-toi à la maison. Secoue-toi à la maison. Alors tu m'as secoué. Alors si tu es faible. Alors je t'envoie d'aller encore là où tu allais. Tu vas me demander. J'envoie quelqu'un. Alors si tu t'affaiblis à la maison. Non. Le jour s'est levé. Lève-toi encore. Tu peux aller là où tu as l'habitude d'aller. Tu reviens avec un témoignage. Où est le thème? Restez-le encore. Quand Jésus est ressuscité. Alors Simon disait à Jésus. Maître. Nous nous sommes efforcés. Nous avions travaillé toute la nuit. On n'a rien trouvé. Et ce sont des paroles de faiblesse. Nous sommes faibles. Car nous n'avons rien vu. Non. Alors si nous commençons à dire. Ça va que la victoire s'approche. Bien aimé chrétien. Et si nous commençons à dire. Ça va que la victoire approche. Mais dis un chrétien. Le diable fait ses derniers efforts. Mais enfin pour t'affaiblir encore. Alors si tu es faible. Il t'a triomphé. Alors si tu vois que tu veux être affaibli, lève-toi encore. Si tu vois que les gens te diffament, ils parlent de toi. Mais t'affaiblis pas. Continue ton travail. Nous sommes efforcés pendant toute la nuit. On n'a rien trouvé. Éternel. Mais selon ta parole, je jetterai le filet. Selon ta parole. Est-ce que vous écoutez les paroles des hommes de Dieu? Est-ce que vous écoutez les paroles ou la voix des bons hommes de Dieu? Maître, nous avions travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien trouvé. Mais selon ta parole, selon ton onction, ils ont rapporté une grande quantité de poissons. Ils ont pris de grandes quantités de poissons. Et là, ici, mon nom de toi. Et les poissons que Simon n'a jamais pêché. Jusqu'à ce que son filet a commencé par se déchirer. Ils ont encore appelé d'autres barques. Et venez nous aider. Bien aimé, je te rassure. Les choses ont commencé à prospérer pour toi. Mais
siata. Et dans cette onction. Et nous t'as noisé que quand amoja la hoppe. Tu verras des choses, les gens viendront t'aider avec cela. Mabere. Et je te dis. Tu vas nous séyamé. Et dans cette puissance de résurrection. La tu vas nous séyamé. Et après cette puissance de résurrection. J'ai ta malade dans l'ombre. Tout cela je te le séyamé. Alors pour après cela. Et nous t'as noisé. Tu verras des choses. On t'a noisé. Tu seras maisé dedans. Amoja la hoppe. Les gens viendront prendre chez toi. L'ancien qui le fait. Selon ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet. Et selon la parole, ils ont rapporté de grandes quantités. Alléluia. Amen. Voyez un autre thème. Qu'est-ce que le thème dit? Restez-le encore. Quand Jésus ressuscité. L'ancien Simon avait refusé de ne pas jeter le filet. Ce jour ne sera pas bon. Alors on a posé l'onction sur lui. C'est l'onction qui attire le bien. Mais quand je dis que je suis si mon dado est autour de lui, je vais me faire un peu. Alors je suis sûr que ce jour que Simon a rapporté de grandes quantités de poissons, lorsqu'il ira encore de nouveau, il va te rapporter de poissons. Et là, ben, car l'onction est déjà sur lui. Bien aimé. Si un bien va se produire dans ta vie, on va te prendre pour cela. Et il n'y a pas de problème. Mais il y a un peu de problème. Et vous allez voir que dans l'Antiquité, ceux-là qu'on a oué dans la crainte de Dieu avec l'onction, ils œuvrent dans la crainte de Dieu. Et cette onction. Et il va le pétro, Simon dit. Et qui est venu réser sur Simon. Et son histoire a changé. Moi, je vais seulement te dire un truc. Tu vas demander l'onction. Que l'onction vienne sur toi. Ceux qui attirent des biens dans la vie de l'homme. Ça vient dans ta vie. Priez. Ceux qui attirent des biens. Est-ce que quelqu'un prie? Réclame l'onction. La puissance de l'onction de la résurrection qui attire des biens. L'onction qui attire des biens. Qui attire des clients. Qui attire des apprentis. Qui attire des biens. Et demande l'onction. Il va Simon dit. Qui est venu sur Simon. Et ce qu'on a posé sur lui. Alors cela a attiré des poissons. Les apprentis, lance le billet.
lance. L'enfant il est là. Mais le gars bébé du bédon. Alors je lance le filet de bébé. Mais le garçon de bédon. Sans le filet de mariage. Mais le gars la monsieur bédon. Sans le filet de la santé. Mais le gars tu me t'es bédon. Je jette le filet de la réponse. Mais le gars en combat de bédon. Je jette le filet de la réponse. Donc je jette le filet. Je jette le filet. 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 On a des bobas. Va le prendre. On a des bobas. Va le ramener. On a des bobas. Va le ramener. On a des bobas. Va le ramener. Tu viens l'aller. Le filet va la. Tu viens l'aller. Son filet la. Bravo l'aller. Si ça la. Deux. 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 Amen. Amen.
Amen. Amen.